Salut à toutes et à tous, on arrive dans les matchs à grande tension dans cet Euro 2024. Il faut répondre présent parce que c'est un huitième de finale passionnant qui se présente. Les Pays-Bas face à l'Islande. La vraie magie de l'enthousiasme, c'est le rêve d'être dans les 8 meilleures équipes d'Europe. Alors, la compo des Pays-Bas. Composition assez offensive avec ce 4-5-1 ou alors 4-2-3-1. Enfin, on verra bien. Tout ça, ce sont que des numéros de téléphone. Voilà la composition officielle pour l'Islande. Disposition assez classique avec ce 4-4-2 à plat. Ça permet une bonne domination de l'espace. Ça y est, le coup d'envoi est donné. Pour Xavi Simons. Oui, c'est bien fait, le danger est écarté. Et la récupération du ballon. De Paille. Allez, voilà le premier but du match. Très très vite, l'ouverture du score. Et oui, on revoit l'action. Tout démarre avec la défense qui s'est fait voler son goûter. C'est une zone très dangereuse. Le jeu reprend et l'Islande remet le ballon en jeu. Gudmundsson. Albert. Allez, le bon mouvement. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Memphis Depay reçoit la balle. Ah, il y a un bon pressing. Ah, il y a du soutien en attaque. Oh, il y a de l'espace, là, il faut en profiter. Ouais, c'est une transmission interceptée. Oh, attention à ce ballon. Ah, il y avait une possibilité, mais le ballon est récupéré par l'équipe adverse. Ballon perdu, attention, ça peut coûter très cher. Ah, les supporters attendent la frappe. Et la belle parade là. Et le ballon change de propriétaire. Elle est merveilleuse cette passe. Xavi Simons. Un centre bien détourné par la défense. La conclusion peut-être sur ce ballon. Oh, la bonne parade. Un corner qui est bien ajusté. C'est contré.
Burton. Et ça a l'air bien dosé, ça. Cody Gakpo avec le ballon. Ah, c'était bien joué, intelligent ce centre. Malheureusement, personne à l'arrivée. Ouais, ça presse bien. Et bonne intervention. Memphis Depay reçoit la balle. Gakpo, c'est repoussé par le gardien, oui. Allez dans la surface. Voilà, le gardien s'impose facilement. Gudmundsson. Trostason. L'arbitre laisse jouer. Avantage selon lui. Finnbogason. Ballon intercepté. Gakpo. Le centre vers la surface. Attention, il y a danger là. Voilà une bonne intervention pour écarter le ballon. Ah oui, excellent ballon. Et attention à la faute parce que ça donne un excellent coup franc pour l'adversaire. Aïe, 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 c'est une frappe complètement dévissée. Ça passe très, très loin du cadre. Alors, on le voit dans ces chiffres, le seul moyen de revenir dans le match, c'est d'arriver à se procurer davantage d'occasions de but. Si on ne va pas faire les courses, on n'a rien dans le frigo. Ce qui manque, ce sont les opportunités pour pouvoir marquer des buts. Memphis Depay à deux doigts de marquer son deuxième but du match. C'était sans compter sur le gardien. Il a eu le dernier mot sur cette action. Eh bien tiré dans la surface. Bien joué de la part de la défense. Le danger est écarté. Oh, la volée était bien partie. Mais elle est manquée de peu. Pour attraper un ballon comme celui-ci, il faut de l'équilibre, de la technique, de l'excellence. Il y a du monde en soutien. Trostason. Oh oui, c'est bien vu ça. Et le ballon qui est bien écarté. Ah, il a faute, l'arbitre intervient. Et attention, parce que le coup franc est bien placé. Et ça fait but. Et oui, l'idée c'était de brosser suffisamment ce ballon pour qu'il contourne le mur et ensuite prenne une trajectoire fuyante. On dirait une colombe qui vole. Regardez. Et ça reprend après le but de l'égalisation, un partout. Et ce sera 2 minutes de temps supplémentaire. Trostason. Cody Gakpo avec le ballon. Ici l'occasion pour mener. Ouais, ça n'ira pas plus loin parce qu'il y a une position de hors-jeu. Et donc on va en rester là. C'est la fin de la première période.
Le temps de prendre quelques consignes, de changer de côté. Voilà le début de la seconde période. Ah, et c'est bien défendu sans commettre de faute. Et une occasion de contre à négocier. Ah, le public attend une frappe. Oh, c'est bien défendu. L'occasion de prendre l'avantage avec ce corner. Un corner qui est bien ajusté. Superbe parade, extraordinaire. Oui, tout le monde s'attendait au but sur cette tête. Finn Bogason. Williamson. L'arbitre laisse l'avantage. Attention à ce ballon. Oui, bien fait de la part du gardien. C'est un corner bien joué, bien frappé. La défense renvoie et se donne un petit peu d'air. Un ballon rendu à l'adversaire. Paulson. Et ça joue sur Cody Gakpo. Avec Memphis peut-être. Long ballon aérien, la défense se soulage. Ah non, là, la balle qui est perdue. Des solutions en attaque là. Une bonne opportunité à jouer là-dessus. Oh, et le face-à-face qui a tourné à son avantage. Qu'est-ce que c'est bien. Tu rentres dans la tête de ton adversaire et le tour est joué. C'est le moment choisi par le coach pour opérer ce changement. Ça va vers le point de pénalty. Et ce corner est renvoyé par la défense. Ah, il s'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Eh oui, la passe en profondeur. Poussé par le gardien, oui. Allez, le jeu est interrompu pour un remplacement. Ballon vers la surface. Il y avait de l'idée dans cette attaque, mais le ballon est perdu. Ballon récupéré dans le camp adverse. Ah, est-ce que ça va partir en contre là? Ah, c'est bien parti. Ouh, comme c'était dangereux ça. Le contre est très bien amené, mais la conclusion, c'est un gros manque de lucidité. Et voilà, c'est un changement donc. Et une offensive qui peut amener quelque chose là. Malène. Et c'est sur le montant, ça joue. Ah, le danger est parfaitement repoussé. C'est mon temps. Qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils sont là? Ils sont payés ou quoi? C'est pas très bien défendu. Et donc, il y a un coup franc. Pour l'adversaire. Eh ben, le récupérer sur cette bonne intervention. Oui, très bon timing sur cette passe. En bonne position pour frapper. Et but! C'est au fond! Les voilà qui prennent à nouveau l'avantage dans cette rencontre. Les images nous permettent de revoir la fluidité et la perfection de cette contre-attaque. L'équipe récupère et se projette très rapidement vers l'avant. Et à la conclusion,
tu mets tout ton courage, ton cœur, ton enthousiasme. Ça donne un but avec une belle valeur esthétique. Un but extrêmement important. Il pourrait bien leur offrir la victoire. Il ne reste plus que quelques minutes à jouer. Le suspense est garanti. Pour Malone. Une tentative de ballon piqué, mais malheureusement, ça passe au-dessus du but. Trop de rapidité, précipitation, le geste complètement manqué. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Et c'est bien donné dans la profondeur, et le danger se précise. Et ça fait donc un deuxième but d'écart. Et ce match est presque fini maintenant. Parfois le poteau c'est un allié du gardien, mais cette fois-ci il a servi de ressort de trajectoire pour l'attaquant. Et avec ce but inscrit, ça fait 3-1. Wijnaldum avec ce ballon. Attention, Wijnaldum. La touche pour les Pays-Bas. Arrêt de jeu et deux remplacements d'un coup. Ah oui, il y a la place pour un bon centre. Attention, Daniel Malen. Et la parade du gardien, mais ce ballon n'est pas maîtrisé. Et bonne séquence, ballon en retrait. Ça y est, le ballon revient dans les mains du gardien après une première intervention décisive. Il s'en sort bien, ça aurait pu faire but, mais il était bien attentif. Ah non, c'est rendu directement. Oh, la frappe. Et le gardien s'emploie bien. Le corner. C'est un corner facilement maîtrisé par la défense. Allez, contre-attaque là, peut-être, on va voir. Et la contre-attaque fait mal à la défense. Peut-être Wijnaldum à la tombée. Ah là là, personne pour couper ce bon centre. Valdimarsson. C'est terminé, c'est fait. Les Pays-Bas ont franchi l'obstacle. Rendez-vous au tour suivant. La performance n'a fait aucun doute et les deux buts d'écart montrent bien la qualité de la prestation. Rendez-vous au tour suivant. Et voilà ce qu'on appelle un récital, un très très grand match de sa part. On l'a senti à la hauteur pendant tout le match. Il n'y a pas eu d'absence ou de baisse de régime. C'est un doublé réalisé avec détermination, rigueur et maestrie. Et avec de la réussite!